morceau là. J'ai pris. La bande de. Oui, là-bas, il y a un saut. Il y a la vis, il y a le plâtre. Ça, c'est le saut vide, c'est épice. Je travaille avec Nadège et Julien depuis très longtemps. J'étais là sur le précédent spectacle. Donc c'était la même équipe, c'était Loya qui faisait la musique, Elisabeth Saint-James et Cyril Leclerc, c'est un duo de performeurs qui travaillent ensemble. Donc Elisabeth, elle s'occupe des costumes et de la scénographie, et Cyril, lui, s'occupe de la création lumière. On a 5 jours de laboratoire avec toute l'équipe, puis ensuite on a 6 mois où nous, on va pouvoir construire, écrire. Donc là, il s'agit d'emmagasiner la matière qu'on veut voir apparaître dans le spectacle, et puis après, on va trier, on va effacer, on va... Voilà. Parce que là, j'ai l'impression que ça fait... on sait pas du tout sur quoi on travaille. Ah bon, j'ai pas du tout. Non, je veux dire, on sait... Non, mais j'ai l'impression que ça fait... tous, on se lance dans un peu de trouver... Mais je dis pas que c'est toi qui as dit ça. Ah, c'est toi qui projette ça sur ce que non, j'ai dit. Non, mais parce qu'on l'a pas dit. On sait ce que c'est que chien-chienne, on sait sur quoi on travaille. C'est comme si on avait le sujet de départ, et maintenant, on est en train de comprendre... concrètement ce qui va se passer au plateau, quoi. Voilà. Ça va ? En fait, on a quand même déjà passé pas mal de temps autour d'une table, quoi. Et là, c'est vraiment la première semaine où chacun est à son poste et où on peut essayer des choses en étant vraiment ensemble, nous au plateau, à la lumière, à la scéno. Enfin, voilà, c'est le premier moment où toutes les disciplines peuvent être expérimentées en même temps. Il y a le terrain de jeu, c'est comme s'il y avait le bac à sable avec tous les jouets et tout. Et là, voilà, c'est le premier moment où on se réunit tous les joueurs à cet endroit-là, tous les créateurs, on est là et on essaye des choses. Moi, je dis qu'on y va, on sait tout ce qu'on peut essayer. Okay. Elisabeth, elle nous a donné ses règles du jeu. Okay. On sait qu'on a envie que la boxe ce soit un peu une récurrence quand même, qui soit tout le long... de la traversée avec les différentes étapes. Nadège, le chrono, je le mets là au cas où. Ce matin, tu m'as appelé à quelle heure ? 7h30. Pour me dire que tu avais vomi. Ouais. Et que c'était peut-être à cause du travail. Mais ça te fait mal au cœur de travailler sur chien-chienne. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que tu sois un garçon, que tu aies choisi de commencer cette traversée en étant en haut du gradin? C'est moi qui te pose la question là, Nadège. Normalement, t'es en train de retourner le truc là. Moi ! Quand on s'entraîne, prendre le territoire, l'espace entre nous. Là, tout l'espace blanc autour de toi, c'est chez toi. Ça t'appartient. On doit le sentir. Allez ! On n'entend rien. On sent rien. À chaque fois, en fait, le théâtre de Chien-Dent, c'est venir expérimenter au plateau quelque chose de très personnel. Donc c'est une mise en danger. La précédente création, ils venaient mettre en jeu leur couple et parler de ce que c'était que la séparation. Et ils se sont vraiment séparés pendant ce processus-là. Donc il y a eu un vrai impact sur leur vie privée. C'est vraiment dans la suite d'Inconsolable. Et surtout, ils viennent remettre en question tout ce qui les constitue au niveau de l'héritage paternel. Et ils viennent remettre en question le patriarcat. Mais ton gars ! Non ! Après ! Pourquoi ? Parce que t'es plus fort que tout ! C'est pas ma petite menace qui va te faire faire le crâne, c'est ça ? Quoi ? T'as un casque ? Tu gagnes pas ! Tu tapes pas ! Apprends à ne pas taper ! T'es pas obligé de taper tout le temps ! Comme ça, léger, là ! Quoi ? Tu dois y arriver, tu dois y arriver. J'y arrive pas ! Et toi, tu dois maîtriser ça, ta violence, tu la maîtrises ou pas ? Ça, c'est du baratin. Pourquoi est-ce que tu penses que tu dois jouer dans le spectacle chien ?
Parce que je suis en transition. Je dois opérer ma métamorphose. Et je pense que je dois passer par là. Ce que j'essaie de dire, c'est que si je suis là dans Chienne, c'est pas seulement pour moi, je suis aussi là pour toi. Je viens enterrer celle, la femme avec qui j'ai vécu cette histoire d'amour pour passer à autre chose. Je viens faire le deuil de toi, Nadège. Je viens enterrer l'ancienne Nadège pour avancer avec la nouvelle. Cette femme qui sera ma complice, mon amie, ma compagnonne, compagnonne de route. La créatrice avec qui je travaille.